Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 8h03, on est pile à l'heure qu'on amène le coq. Énergie. Je reçois régulièrement des messages où on me dit ouais, comme vous êtes tout le temps en retard, bah à chaque fois j'arrive en retard au boulot et je me fais engueuler. Bah oui. Donc si vraiment ça vous arrive, je propose qu'on fasse un truc très simple, c'est qu'on vous fasse des mots d'excuses. Ok. Si ça vous arrive, que vous arrivez en retard parce que vous nous écoutez, et ben vous nous appelez 0870 42 48 et on fera des mots d'excuses, je les signerai et vous les donnerai à votre patron. Désolé, ce matin, Oriane est arrivée en retard parce qu'elle écoutait l'émission et qu'il y avait un moment qui était plutôt drôle. Veuillez l'excuser pour ce retard, ça se reproduira demain. Vous voyez. Ça passe ou pas? Si, c'est bien. Allez, 8h03, voici les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, après quelques belles apparitions du soleil ce matin, le ciel bleu va tout doucement céder du terrain aux nuages. Les températures en baisse vont grimper vers 21 degrés. Déjà 17 degrés actuellement à Castellar, 16 à Menton et Breil, 15 à Monaco et Roquebrune, 11 à Sospel, Pende et Vintimille. Retour d'un grand soleil demain sur le littoral. Beaucoup de monde sur la 8 ce matin, ça coince particulièrement en venant de Nice vers Monaco et la 500. Des ralentissements également dans l'autre sens vers la sortie Roquebrune. Des coups de frein aussi sur le littoral depuis Roquebrune vers la Principauté ou encore en passant par Cap d'Aille. Un mouvement national qui va forcément concerner les Alpes-Maritimes. Les profs sont appelés à faire grève aujourd'hui contre la réforme du collège applicable dès la rentrée 2016. Et les nouveaux programmes et la diminution de la place accordée à l'apprentissage des langues mortes font débat. Des classes devraient donc rester fermées ce matin principalement. Au collège, manif à Nice devant le rectorat à 10h30. Après l'heure, c'est plus l'heure. Dernier jour pour envoyer votre déclaration de revenus papier. Vous avez jusqu'à ce soir minuit, sinon la somme à payer sera majorée de 10%. Pour ceux qui ont choisi la télédéclaration sur internet, le délai court du 26 mai, notamment pour les Alpes-Maritimes, jusqu'au 9 juin pour d'autres départements. Les infos sur impots.gouv.fr. Quand les drones viennent au secours des palmiers, la ville de Menton a présenté hier une nouvelle façon de lutter contre le charançon rouge. C'est une société monnaie qui fait le boulot en larguant du sable au-dessus des palmiers menacés. En France, l'épandage aérien de produits est interdit par la loi. La méthode rencontre pourtant un franc succès dans la principauté. 200 arbres de Menton auraient déjà été attaqués. Notez-le dans un coin, un premier forum de l'emploi est organisé samedi à Tende. Conférences et ateliers seront au programme de la journée. À la recherche d'un job, mais également entrepreneurs, artisans et commerçants sont attendus. Ça va se passer dès 9h30 au ciné Le Bégo, puis à la salle polyvalente de musique dès 14h30. C'est ce samedi à Tende. Du sport et du rugby, J-122 avant le début de la Coupe du Monde en Angleterre. Philippe Saint-André, le coach des Bleus, dévoilera aujourd'hui la liste des 36 joueurs français présélectionnés. Verdict à 11h. Enfin, un mot de cinéma pour finir avec les années bobsleigh du prince Albert II de Monaco, bientôt dans un film. On n'a pas encore de date, mais Royal Ice devrait être réalisé par Gary Marshall, qui a notamment rencontré le succès avec Pretty Woman dans les années 90. Le souverain a plusieurs fois lui participé en tant qu'athlète monégasque aux JO d'hiver. C'était entre 88 et 2002. Voilà pour vos infos, 8h06. Bonne matinée à vous. Bienvenue sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9 avec vous dans ce mardi 19 mai. Tout le monde est là dans le studio comme chaque matin. Il y a Mélanie. Toujours. Il y a Oriane qui est là aussi. Coucou. Toute l'équipe est là. Salut. Ouais. Il est déjà 8h06, on est déjà à la bourre alors qu'on n'a même pas commencé à parler. Ouais. On va s'écouter Macassi avec Doucement. Il y aura aussi le dernier Tiesto pour vous. Mais tout de suite, il est temps de doubler votre salaire. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Chaque jour, deux fois par jour, je vous appelle en direct pour doubler votre salaire. Vous vous inscrivez sur energie.fr ou sur manudansle69.com. Je rappelle que c'est gratuit, évidemment. On ne vous fait pas payer pour vous inscrire. Vous allez sur nos deux sites internet, ça prend quelques secondes. Et c'est ce qu'a fait Laetitia. Elle habite Noyel Godot dans le Pas-de-Calais. Ou Noyel Godot, nous allons savoir comment ça se dit. N-O-Y-E-2-L-E-S. Je dirais Noyel. Ah bon? Ou Noyel. Noyel, noyau. Oui, oui, noyau, noyelle, hein, bien sûr. Hein. Voyelle, noyelle. Bah oui. Bien sûr. Laetitia, 25 ans, elle touche chaque mois 1305 euros, nous l'appelons. Non pas pour doubler son salaire, mais pour savoir comment s'appelle sa ville. Vas-y, Laetitia, décroche. Allô ? J'ai connu une Laetitia. Ah oui ? Il y a très très longtemps. La chance. J'en ai connu deux.
Ouais. Allô? Laetitia? Oui. J'ai connu deux Laetitia. Bon. Apparemment, ma vie n'intéresse personne. Laetitia de Noyelles-Godault? Oui. On dit Noyelles ou Noyel? Noyel. Ah, tu vois, Mélanie? La mauvaise peau du gars, quoi. Laetitia de Noyelles-Godault dans le Pas-de-Calais, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? Manu sur Énergie. Laetitia, tu t'es inscrite et t'as eu raison parce que ce matin, c'est à toi que ça arrive. Je vais te doubler ton salaire. Tu touches chaque mois 1305 euros. Dès le mois prochain, ce salaire, eh ben, ça va être 2610 euros parce que je le double. Ah, c'est trop fort, c'est trop fort. Et ben voilà, tu es vendeuse en prêt-à-porter. Oui, c'est bien ça. Dans un magasin, dans une marque, dans quoi? Dans un prêt-à-porter pour hommes, une chaîne de magasins. Pour hommes, uniquement pour hommes? Que pour hommes. Oh, ça cool. S'appelle comment? Ashlanders. Ashlanders. Oui. Je connais pas. Par rapport à Célio, c'est comment? Plus jeune, plus moderne. Ah, bon là-bas, merde. Prends ça dans ta gueule, Célio. Prends ça dans ta gueule, Célio. venir, j'accueillerai les bras ouverts. Mais je connais pas moi, Ashlanders, vous connaissez ou pas? Non. Nico du web? Moi ouais, j'ai déjà acheté des trucs, il y a des trucs cool, ouais. Ça va. Ouais, ah d'accord. Ouais. Et c'est que pour les mecs? Que pour les hommes. Donc tu passes ton temps à voir des hommes torse nu en fait? Bon, ils sont dans les cabines, bon, c'est pas toujours des mannequins, mais bon, ça fait quand même plaisir. Non, mais en plus c'est vrai, je me rends pas compte. J'imagine pour un vendeur mec, vendeur dans un magasin de prêt-à-porter pour femmes, le mec c'est dingue. Oui, mais comme elles disent, pas que des mannequins quoi. Prêt pour une nana, je me rends pas compte. Oriane? Et puis oui, il y a un rideau si tu veux qui cache nos sous-vêtements, le moment où on se met nu, donc que tu ne nous vois pas à poil. Oui, enfin il y a un truc qui s'appelle GoPro. Hein. Je l'installe au-dessus, je sais pas. Mais c'est bien ou pas d'habiller que des mecs ou c'est fatigant? Ah non, c'est cool d'habiller que des garçons. Ils sont plus cool que les filles quand même. Ouais. C'est quand même, la grosse différence dans les magasins de fringues, c'est que nous, on trouve un truc à notre taille. Déjà, on nous demande, vous l'essayez? Oh non, ça me saoule. Ouais. Donc on essaye pas. Et puis ensuite, on se dit, tiens, il est bien, on en prend quatre pareils, on se barre. Voilà, vous décidez plus vite. Voilà. Oriane, vous avez deux critères. Est-ce que je rentre dedans? Est-ce que c'est dans mes prix? Et à partir du moment où ces deux critères sont remplis, vous achetez quoi? Bah oui, je vois pas ce qu'il y a d'autres critères en fait. Est-ce que ça me boudine? Est-ce que la couleur me va au teint? Est-ce que je peux le mettre régulièrement en soirée ou est-ce que c'est too much? Voilà, des trucs de base. Non, mais les garçons deviennent comme ça maintenant. Pire que les filles. Ah bon? Ah bah, écoute, je suis pas dedans hein, moi. Alors moi je suis d'un basique, je reste un quart d'heure dans le magasin, j'ai récupéré mes 4 jeans et je suis parti, je suis heureux, je suis content. Merci de la vie. Je te double ton salaire Laetitia, 2610 euros, ça arrive pour toi dès le mois prochain, je t'embrasse très fort. Merci, bisous. Gros bisous. Ça bisous peut vous arriver. Et bien bisous à toute l'équipe qui est derrière moi. Oui, enfin, y a nous, quoi. Merci d'être là chaque matin avec nous, Laetitia. Belle journée à toi. Merci, à moi aussi. 8h11, c'est Manu dans le 6-9. On est là avec vous, on démarre, on crée ensemble ce mardi. N'hésitez pas à nous rejoindre. 0 870 42 48, c'est notre numéro de téléphone. Voici Macassi.